Salut, je vous présente aujourd'hui un enduit de rebouchage spécial bois vendu par Bostik dans une contenance de 1 kg. Donc on reçoit l'enduit dans ce carton avec les instructions au dos. Donc il faut 2,5 volumes de poudre pour un volume d'eau. On dilue, on mélange et après on a 40 minutes pour appliquer le produit et on va passer par croisement pour reboucher la fissure. Et entre deux passages, il va falloir attendre 3 heures. Le fabricant indique que l'on peut ensuite percer dans l'enduit une fois qu'il est sec et on peut le peindre pour donner à l'ensemble le teint uni qu'il avait auparavant. Donc, comment ça se présente? Ben, on a, hop, on va le sortir, un sac rempli de poudre qui fait un petit peu penser à de la farine. Et pour les besoins du test, en fait, j'en ai mis dans cette verrine. Vous voyez comment ça se présente. Et on va diluer avec un peu d'eau. Donc, je vais y aller progressivement. Hop, on va touiller. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'ajuste au fur et à mesure. Si je vois que il y a trop d'eau, ben je complète avec avec de la poudre. Et s'il n'y a pas assez d'eau, ben, du coup, j'ajuste en rajoutant un peu plus d'eau. Là, en l'occurrence, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Donc, on va rajouter un peu d'enduit, voilà, et on remue. Le but, c'est d'avoir une pâte qui soit exploitable pour ensuite pouvoir reboucher les trous. Pas hésiter à bien remuer, voilà. Et donc après, l'outil de travail, ça va être généralement la spatule. Et on va prendre un peu de pâte, voilà, sur la spatule et on va l'appliquer en passe croisée. Donc juste je vous montre sur une feuille de papier pour l'exemple avec les croisements comme ceci. On passe comme ça et après on laisse agir. Donc là, bon, je vous montre sur une feuille papier. Si je voulais montrer sur quelque chose d'un peu plus concret, ici on a un appui de fenêtre en bois avec une vis. Pas très joli. Si je voulais combler, hop, on fait un passage, voilà, on passe plusieurs fois. Vous voyez déjà l'aspect que ça prend. Et donc bien entendu, après on va avec une éponge humide nettoyer les bords et on laisse agir et du coup après on n'a plus toutes les aspérités sur le bois. Donc voilà l'intérêt de cet enduit de rebouchage. Très pratique, moi j'en ai à la fois pour le placo, j'en ai aussi pour le bois, donc ce paquet de produits Bostik fait parfaitement l'affaire et je le recommande pour les bricoleurs. À bientôt.